Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ces trois cartes très faciles à faire pour la Saint-Valentin. Pour réaliser la première carte, munissez-vous de papier cartonné aux couleurs de votre choix, de ciseaux, d'un critérium, d'un cutter, d'une règle équerre, d'une forme de cœur, de bâtonnets en bois et de colle. Je commence par tracer un rectangle de 17 par 25 cm. On peut réajuster les dimensions pour des enveloppes standards. Je coupe ensuite avec le cutter. Je replie le rectangle comme ceci pour former une carte double. Je marque bien le pli. Maintenant, je trace une carte simple de 14 par 9 cm. Je la colle ensuite en la centrant bien. Je trace à présent la forme de cœur sur les bâtonnets en bois qui sont maintenus de cette manière avec un gros scotch. Avant la découpe, trempez les bâtonnets dans de l'eau, 15 minutes environ. Ainsi, ils ne casseront pas. Le découpage est plus facile avec de grands ciseaux. Je reporte la forme de cœur comme ceci sur la carte. Et je n'ai plus qu'à coller les morceaux de bois avec de la colle forte. Le collage effectué, ouvrez la carte et mettez le cœur sous presse. Et voici ce que ça donne. J'ai ensuite reporté ce mot à l'aide d'un calque que j'ai peint avec un pinceau très fin. Une petite précision, j'ai utilisé de la peinture acrylique pour remplir le mot, car avec un marqueur à base d'eau, l'encre fuse sur le bois, ce qui donne un résultat moyen. Pour le second projet, j'ai utilisé une carte double du commerce, un jeu d'emporte-pièces pour faire des cœurs de différentes tailles et une perforatrice. Je vais ensuite coller les cœurs en les juxtaposant et en les disposant de biais. Et pour finir, je colle de manière aléatoire les confettis en forme de cœur. Pour la troisième carte, je plie en deux une feuille format A4. Je vais ensuite perforer une feuille de la même largeur que la carte. Je positionne la perforette au milieu. Pour avoir un espacement régulier, je décale d'une largeur de perforette comme ceci. Je réalise maintenant une première bande en centrant les cœurs. J'en réalise deux que je colle ainsi. Et je fais plein de confettis multicolores avec la perforatrice. Pour la décoration, je positionne le mot souhaité et je trace le contour du cœur. Je finis en collant les confettis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé les réalisations, qu'elles vous inspireront. À très bientôt pour de nouvelles idées créatives.